Et on va débuter avec la 11e journée du championnat de France de Pro A, la victoire du MSB chez la Lanterne Rouge, Rouen 85 à 64. Comme chaque lundi, on voulait vous proposer des images de cette rencontre grâce à nos confrères des télévisions locales. Malheureusement, suite à un problème technique, nous ne pouvons pas vous proposer ces images. Alors on va passer sans plus attendre aux autres résultats de cette 11e journée. Et puis vous allez le voir, eh bien ça va mieux pour Villeurbanne qui est allé s'imposer assez facilement au Havre 103 à 66. Autre victoire, l'extérieur, celle de Gravine à Dijon, Orléans, Cholet, Roanne, hier Toulon et Vichy se sont imposés à domicile. Et puis au classement, eh bien, le MSB Caracol toujours en tête avec un point d'avance sur Cholet, 2 sur Roanne, 3 sur Gravine et hier Toulon. Hier Toulon qui sera le prochain adversaire des Monceaux, ce sera ce samedi à partir de 20h à Antares. Il y avait également le trophée Coupe de France pour ce qui concerne la Jalte et l'équipe de Coulaines. Ça casse pour la Jalte, des Jaltais qui ont été éliminés lourdement par Avrillier 95 à 57. Ça passe en revanche pour les filles de Coulaines qui ont battu Mons 78 à 61. Prochain rendez-vous sport sur l'antenne d'LMTV. Attention, ce sera samedi à partir de 18h pour MUC Express, puisque les Monceaux joueront dimanche à Lille. On leur souhaite bonne chance. Et puis le Sport Flash Résultat, ce sera dimanche à partir de 20h30. D'ici là, excellente semaine à vous.